Et on se retrouve pour la suite de Red Faction sur PC. Donc j'étais arrivé ici dans la dernière vidéo, donc forcément on va continuer puisque apparemment le jeu est bien fluide, donc voilà. Et puis hop, on récupère son fusil à lunettes, c'est super. Stock chargement. Donc là je pense que je vais arriver dans une nouvelle salle. Ah ouais, j'adore ce... J'aime bien cet endroit. J'aime bien cet endroit. Ok. Ah l'enfoiré, il a tué le gentil monsieur qui était là. Si, tu le mérites. Tu le mérites, ton méo, t'as descendu un civil et t'as rien fait en plus. Voilà, hop. Donc vous voyez ici qu'il y a un passage, vous pouvez le faire hein, avec les mines si vous voulez, mais ça ne vous fera pas gagner grand chose. Donc là, attention, prenez bien ça, puisque ça va interdire aux mineurs, oui, ça je sais. Non, attendez. Ouais. Hop, là, est-ce que je peux le tuer au moins comme ça, l'autre, là? Non, tant pis. Donc je vais, aller, ah bon, une roquette, oh voilà, une roquette a suffi. Oula, putain, j'ai fait un gros trou dans le mur, en plus. Là, c'est peut-être pas l'idée la plus ingénieuse que j'ai eue, donc on trucide un peu les gens qui arrivent. Hop, voilà, on dézingue la caméra. Donc ici, il n'y a personne, donc là, je suppose que ça va revenir dès que je vais bouger, voilà. Pas de renfort, vous allez tous mourir. Vous allez tous mourir. Donc, on récupère un peu ici tout ce qu'on peut trouver, comme munitions et autres, voilà, donc là, il n'y a plus personne. Eh ben écoutez, on va continuer forcément. Hop, on monte ici. Ah, salut. Et voilà, bye bye. Donc hop, au lieu de rentrer par la porte, nous on rentre carrément par la fenêtre, hein, forcément. C'est très bien ça, mon grand. Et je te félicite d'ailleurs pour ça. Est-ce qu'il y a un bouton quoi à appuyer? Non, ici je vois qu'il y a des trousses mais ça ne sert à rien. Donc ici un bouton à appuyer, rien. Ah. Ok, donc il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. Hein. Donc on se casse. Ah, on va passer... Non. Le tunnel service, ouais, non. C'est ce qui me permet d'aller... Enfin c'est le tunnel que je vous ai montré, quoi, que j'ai quand même passé. Hein, parce qu'il me semble qu'il y avait un endroit où il y avait peut-être quelqu'un. Donc on sait jamais, hop, on redescend, voilà. Ah oui, il y a une machine. Donc il doit y avoir sans doute quelqu'un. Ah bonjour toi. Revenez plus tard, je n'ai pas le temps pour le moment. Ultor a été très bon à toi. Putain, dit comme ça on pourrait... Tu le connais personnellement non? Je vous en prie, ne me demandez pas de m'en mêler. Si, on a besoin de tout le monde, et allez, je tombe comme un débile. C'est la guerre mon grand, hein. On a besoin de tout le monde nous. Non mais oh, c'est pas avec nos petits P90 je sais pas quoi là qu'on va réussir à dézinguer les gars qui sont de lance-roquettes et tout quand même hein. Donc là, installation géothermique. Nous y sommes, donc c'est un nouvel endroit, un nouvel environnement qui est sympa. Je fais ce que je peux hein, mon grand. Voilà, hop lui il a été tué, hein, c'est un peu logique. Donc hop, je t'inclus, c'est fait, donc là, ah, je veux pas récupérer Hendrix le truc. Hendrix m'a dit que vous aviez réussi à vous faufiler jusqu'à la centrale géothermique. Ouais. C'est super. Eos règne. Il reste 5 installations à saboter. Les turbines, la commande de l'eau, la récupération de l'eau, la commande de la lave et les commandes principales. Ok, donc vous voyez un peu tout le boulot que j'ai à faire est dans cet endroit. Hein. Donc vous voyez, il y a commande de la lave par là, donc je ne vais pas y aller parce que je pense qu'il doit y avoir... Bon, je vais pas aller par là. Il doit y avoir quelqu'un qui doit arriver bientôt, je pense. Commande de la lave, donc c'est ici. Attendez, il doit y avoir... Non, il n'y a personne, il me semble. Hop, là, et donc hop. Je vais cacher mon arme, hein, pour éviter qu'il appelle les secours. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose ici à appuyer? Non. Donc, je vais aller... Désolé, je suis débordé. Oh, t'es chiant, en plus, tu me bouches la sortie, connard. Dépêche-toi avant que j'utilise mon flingue, voilà. Donc je vais aller tirer la vanne qui est du coup ici forcément, alors que regardez ça, toute cette lave et tout, cette boue, c'est... Oh. C'est plus de la lave quand même. C'est un peu dégueulasse. Coulée de lave dépassant le seuil ouais, coulée de lave. Hop, dégâts, voilà. Voilà, on désigne un peu tout le personnel qu'on y trouve.
Tout le personnel militaire, j'entends par là. Nous n'allons pas tuer de civils, hein. Nous ne sommes pas comme ça, nous, à la Red Faction. Nous sommes des gens bien, messieurs. Et mesdames. Parce qu'il y a également des dames. Les unités sont désormais en alerte rouge. Je répète, alerte rouge déclenchée. Ok, c'est sympa de me balancer l'alerte rouge, donc là il y a un gars, donc hop, bah, je l'ai pas eu, donc lui... Allez, je veux juste te tuer, voilà. Donc on descend tranquillement, voilà, hop, donc là vous voyez qu'il y a un gars là-bas qui fait un peu son boulot. Donc je pense que... Eh, perdu, une chance sur deux, c'est là qu'il faut que j'aille, voilà. Donc je vais appuyer sur le bouton. Donc voilà, et je pense qu'il y a encore des... Oh là, oh là là là. Ça tremble. On va mourir. Donc là, il y a encore des gardes, hein, forcément, à chaque fois que je désactive une montagne, je... À chaque fois que je remplis un objectif, forcément, il y a un garde... des gardes qui arrivent, c'est logique. Donc là, j'en ai encore quelqu'un. Mais je suppose que c'est là-bas. Donc là, je sais qu'il y a quelqu'un. Ah, mince. Mince, donc voilà, yes, talk. Donc là, vous pouvez vous faire plaisir hein, sur toutes les armes que vous avez. Enfin, je pense qu'on s'approche d'un endroit particulier. Alors, mais gardez quand même toujours le... Gardez toujours les explosifs, hein, parce que ça va bien vous servir de 1 ici, et de 2, même après tout ça, gardez encore au moins une cartouche d'explosif. Hein. Ça c'est obligé, voilà, donc vous voyez par contre j'ai bien fait exprès de... Donc là faut absolument que j'explose tout ça, voilà. Et la dernière, forcément, boum, voilà. Ça, ça ne va absolument plus marcher. Attendez, je suis avec vous. Et on va aller s'occuper ici de tourner le... la vanne. Voilà, donc là il y a encore sans doute des gars qui vont arriver. Même pas. Ah, bonjour. Vous allez bien les mecs? Mais non, pourquoi tu cours? Le technicien de la salle de contrôle principale est avec nous. Ah. Après avoir saboté les quatre autres systèmes, allez le rejoindre. Il saura quoi faire. Ok. Attendez Parker. Ah. Occupez-vous de la salle de contrôle principale en dernier, après avoir saboté les autres systèmes. Ok. D'accord, donc je vais aller ici. Hein. Appréhendez-le, bonjour, mon grand. Donc là, détruisez les deux stations de pompage. Ok, donc là, vous voyez que j'ai pas le choix, hein. Je vais absolument les exploser. Donc on va aller y aller. Franchement, boum, voilà. Littéralement, voilà, hop. Donc là, encore des gardes. Sinon... Allez, stock dans ta face, lui. Oh là là, là là là, voilà. Un ou deux gros durs. Donc il a été tué, on va aller maintenant voir le gars qui est de notre côté. Ah, ok, bah finalement c'est toi qui es mort, hein. Ne tirez pas, je suis avec vous. Venez ici. Ah, d'accord. Ah, il est sympa ce gars, hein, quand même. Dirigez-vous vers l'autre panneau de contrôle pour trouver la commande. Ok, donc je suppose que c'est celui-là, oui. Vous voyez ce bouton ? Appuyez dessus pendant que moi, j'appuie sur celui-ci. Prêt ? Ok. 3. 2. 2. 1. 1. Partez ! Et voilà, oh là ! Alerte ! On va mourir ! Viens, t'as encore le temps de te sauver, viens ! Attends, on tue un peu tout le monde, voilà. Viens ! Le reste de la centrale doit être en ruine. Vous allez devoir emprunter la plateforme des sous-marins. Ok. Mais viens, viens, échappe-toi avec moi. Un compagnon d'armes, ça m'arrangerait. Attendez, je suis avec vous. Oui, bon, ça je le sais, mon. Bon. Apparemment, il veut pas venir. Je lui offrais une occasion de s'échapper avec moi. Il n'a pas voulu. Hein. Tant pis, donc là, donc, vous voyez, hein, fermeture d'urgence. Donc ça, c'est fait. Alors, je vous avais parlé justement de, depuis longtemps, de garder une cartouche d'explosifs. Ça sera pour cet endroit ici, donc dans la zone des sous-marins. Vous allez comprendre très rapidement. Oh, non. Oui, j'ai quand même sauvegardé, hein, puisque je me souviens que j'ai eu parfois un bug avec le sous-marin qui explosait comme ça sans savoir pourquoi. Donc je sauvegarde au cas où, hein, j'ai pas envie de devoir tout recommencer. Donc le sous-marin il est là, donc là...
Il y a un gars ici, non. Voilà, hop. Donc hop, je vais utiliser l'explosif. Donc là, je vais exploser ici, voilà, boum. Puisque regardez, en fait je ne peux pas entrer dans la pièce, donc forcément j'étais obligé. Et une fois je me souviens, j'ai carrément plus l'explosif et j'étais carrément... je pouvais aller nulle part, quoi, vu que je n'avais plus l'explosif et que je ne pouvais pas rentrer. Donc voilà, et aller ici, donc vous voyez que là j'ai un sous-marin par contre. Allez ici, alors que vous êtes juste en tenue de... En tenue, il y a juste que vous quoi, vous êtes à l'air libre, et bien franchement c'est une mort quasiment instantanée on va dire. Puisqu'il y a un ennemi, donc plusieurs ennemis même. Vous voyez là ici, il y a un gars qui nous tire dessus, un sous-marin qui nous tire dessus, donc lui on lui envoie des torpilles. Boum. Ah ben non, il a pas explosé. Et il a explosé maintenant, voilà, là il y a mon corps. Donc on va pouvoir aller dans l'autre côté forcément. Alors, allons-y tranquillement. Donc, oh, donc là vous voyez qu'il y a une espèce de requin alien qui essaye de me... de tuer. Là, boum. On lui balance des roquettes dans la gueule et il meurt pas, voilà. Quand même, hein, mon grand. Yes. Donc on continue un peu notre aventure. Chargement. Donc là il me reste 13 cartouches de 13 cartouches, n'importe quoi. 13 missiles, donc ça va, j'ai largement de quoi revenir. Vous devriez voir le centre de recherche dans la grotte située un peu plus loin. Yep. Attention, donc là, ça... Ah, c'est vrai que c'est automatique, donc là ça va directement sur lui. Donc là, hop, on y va, on va essayer de... Voilà, boum, on balance un peu tout ce qu'on a. Donc hop, il a été détruit, on va rentrer donc ici. Forcément. Ah, non. Par contre, je sais pas si je tire une roquette, c'est le... Je vais pas essayer, hein. Je vais essayer par contre de les tuer alors que je suis dans l'eau, parce que apparemment je ne dois pas être touché. Ah putain, je peux être touché quand même, merde. Bon, et bah écoutez, on va monter, hein. Allez, putain, c'est déjà chiant comme ça à monter, voilà. Hop. Il allait me dire, préparez-vous à mourir, hein, mais non. Monter, descendre, monter, descendre. Je déteste les échelles. Désolé, je suis débordé. Monsieur déteste les échelles, hein. Bon, ok. Allez, cool ta vie, écoute. Donc là, il y a... Faites votre boulot et Ultor s'occupera de nous. Pourquoi on n'a pas encore été relevé? La deuxième équipe devrait déjà être là. Ils vont arriver. Finissez votre travail. Voilà, vous avez vu, hein, y a plein de petites animations comme ça tout au long du jeu et c'est quand même sympathique, ça permet de dynamiser un peu le truc. Donc là, oui, bah oui, je viens. Ah, voilà, on tire la chasse, hein, parce que bon, tout ce niveau comme ça, sans pisser, ben écoutez, quand même, donc là, hop, lui, voilà. On récupère un peu tout ce qu'il peut y avoir, donc de l'environnement, équipement, voilà. Mais non, j'ai dit que je tuerais aucun civil. Bon, à peu près, hein. Il peut toujours y avoir un couillon qui passe par là au moment où je tire, quoi. Forcément. Ah, bah tiens, comme par hasard, il est arrivé là. Donc là... Ok, donc là... Il y a apparemment personne, mis à part ce monsieur. Donc on va s'en aller. Hop, 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 là. Et mon dieu, je me suis absolument surprendre par les deux gars. Ah oui. Je connais ce truc là, donc là vous voyez qu'il y a des gars qui arrivent, donc écoutez, je vais leur tendre un piège, vous voyez ils arrivent seulement. Donc je vais leur tendre un piège, donc là vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez avec vos munitions. Hein. Donc là, hop, je pose une charge d'explosif ici, alors je leur tends un piège absolument magnifique. Puisque. Oh, attention. Bonjour. Ils ont rien vu, ils sont morts, écoutez, voilà, tranquillement. Hein. Donc si vous n'avez pas justement si vous n'avez pas eu le loisir d'utiliser toutes les autres armes que vous aviez, ben utilisez-les au maximum. Hein. Puisque nous allons bientôt. Ah bah tiens, hop, ma vie est ici, voilà, je peux. Il me semblait que dans ces boîtes-là il y avait parfois des choses. Mais là apparemment il n'y a personne. Il n'y a rien, pardon. C'est sûr qu'il n'y a personne, hein, dans ces boîtes. Donc on va par là.
Bon, je vais pas utiliser mon lance-roquette, je vais plutôt partir. Ouais, c'est... Je vais partir au lance-roquette quand même. L'escalier menant à l'administration. Non. Mettez les vêtements qu'il vous donnera. C'est le seul moyen d'atteindre Griffon. Je suis au lance... Non, pas au lance-flamme, bon sang. Oh là. Voilà, je vais quand même rester là-dessus. Donc, au fusil à lunettes, pardon. Puisqu'apparemment, il y a quelqu'un. Ouais. Merde, quel con. Quel con, je me fais avoir comme un débile. Voilà, je perds la vie bêtement. Alors que j'arrive... Ouais, bingo, yes. J'arrive ici, donc vous voyez, en fait, là, j'arrive dans des... C'est ce que... Par là, derrière l'escalier. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est par là, mais je vais juste monter pour vous montrer Marker, un peu. Revenez. Vous n'y arriverez jamais. L'entrée de cette zone vous est interdite. Accès refusé. Ouais, donc vous voyez, hein, l'entrée est refusée. Donc là, je désingue la saleté parce qu'elle m'a refusé l'entrée. Hein, et je vais voir mon pote le mineur. J'ai un déguisement pour vous, Parker. Et là, c'est un nouveau jeu qui commence. Donnez-moi vos armes. Elle vous encombre avec ce déguisement. Hop. Donc vous voyez, il va me prendre toutes mes armes et il va juste me donner ça. Voilà. Que si la situation l'exige. Donc je suis un civil et maintenant je n'ai que cette arme-là et que ces munitions-là. Voilà. Donc vous voyez, j'ai plus d'enviro-équipement. Malheureusement, bon, j'ai perdu de la vie en plus. Donc hors caméra, bon là forcément, je vous le dis, hein, je vais y aller à la va-vite. Je vais vraiment y aller à la va-vite et je ferai hors caméra comme ça, histoire de récupérer le plein de vie. Hein. Mais je vous préviens tout de suite que là je le fais un peu à la va-vite. Donc si je meurs, tant mieux, tant pis. Et si j'y arrive, tant mieux. Les techniciens risquent de vous reconnaître. Ok. Donc là il faut se faire tout petit, tout petit. Il faut se faire absolument tout petit, tout petit. Donc là vous avez vu, il refuse de s'en mêler lui. Ah, donc là vous voyez, il y a un petit robot. Ah, bonjour madame. Donc là je sais qu'il y a un garde dans le coin, donc c'est... Encore une chose, en fait s'il y a un gars qui vous reconnaît, il va mettre l'alarme. Les mineurs meurent de la et forcément tous les gardes si vont appliquer. Griffon est au courant de quelque chose, il faudra le faire parler. Ok, donc là j'attends simplement que le garde passe. Donc là il passe tranquillement, donc maintenant je peux aller par là. Voilà. Donc lui... Il arrive, je ne sais pas s'il va tourner directement par là-bas. Le bureau de Griffon se trouve au troisième étage de la zone administrative, Parker. Donc en ce cas, je saurais pas où il arriverait pas, donc vous voyez, au troisième étage, ouais. Donc j'ai encore un étage. Enfin j'ai encore deux étages il me semble. Avant de rencontrer le monsieur. Donc il y a un étage où est-ce que je ferai rien en fait. Et l'étage d'après, là oui je le trouverai. On va dire que là je suis au premier quoi. Ah, bonjour monsieur l'âme. Ah oui. Attendez, avant de regarder là s'il y a quelqu'un, oui, il y a une femme, elle est sur l'ordi, je vais vous montrer quelque chose, un peu la interaction qu'il peut y avoir avec ce monsieur. N'est pas mon travail. Donc voilà, c'est pas mon travail. Hein. Allez-vous-en, j'ai affaire. Ouais, pourtant tu discutes. Mon problème ne m'intéresse pas. Ok, c'est sympa mon gars. Problème ne m'intéresse sympa. Pas. Alors elle, c'est la meilleure. Désolé, j'ai affaire. Gardez vos distances, je vous prie. Ok, donc comme si je lui faisais des avances. C'est absolument sympa ma grande, t'es spécial hein. Il y a une phrase qui me fait délirer. Désolé, j'ai c'est... Gardez vos distances. C'est pas celle-là, ça doit être l'autre. Vous me prenez pour votre secrétaire. Voilà, vous me prenez pour votre secrétaire. Cette phrase-là, elle est absolument géniale. C'est absolument excellent. Donc vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça. Parfois vous avez des petites conversations ou quoi, des gars qui arrivent. Donc là forcément j'ai été repéré, je m'en doute. Là, hop, vous n'avez pas le choix. Là, ah ah putain, tu fais chier, oh, il bouge carrément le passage ce couillon. Hop, voilà, on y va tranquillou. Chargé, mais je ne sauvegarde pas, hein, loin de là. Donc hop. Je baisse la tête. Ah bah merde, j'ai été repéré, donc attention, vite. Donc de toute façon la vidéo va pas être finie, donc je vais juste vous montrer un truc puisqu'en plus j'ai presque plus de vie. Je vais donc vous montrer quelqu'un. Bonjour Parker. Voilà, c'est Hendrix. Je voulais juste vous rencontrer en personne. Donc Hendrix il travaille ici, vous voyez. Donc c'est lui qui commence toutes les opérations ici. Et vous allez assister à un fail puisque je vais forcément mourir à un moment ou à l'autre. Hein. Voilà, Stock. Donc lui, je le tue, voilà. Allez, c'est vu le couillon là. Allez, tue-moi, bordel. Allez, couillon, tue-moi. Merci. Bonne chance. Et bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye.